Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon week-end. Euh, j'ai une application assez intéressante où les gens peuvent publier des, euh, des messages, des, des vidéos de façon anonyme en fait. Et euh, je suis tombé sur ce truc-là, et ça m'a tellement plu, j'ai trouvé ça tellement intéressant que je me suis dit c'est quoi, je vais faire un screen et je vais partager ça avec des gens. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet, d'accord C'est une fille qui a écrit, donc au cas où. J'ai un pote flirt que je vois des fois avec ses potes, mais je sais pas pourquoi, je me suis rendu compte que son pote qui s'en bat les reins m'attire plus que lui. Le fait qu'il essaye pas de me séduire et qu'il qu soit juste chill m'attire, je crois. Oh merde Oh c'est con ça Là en fait je pourrais même arrêter la vidéo. Je pourrais arrêter la vidéo, c'est écrit en fait. C'est écrit, il n'y a pas besoin de. Je le dis et j'arrête pas de le dire. Les femmes ne font pas les choses de la même façon que nous. D'accord Donc là, elle le dit elle-même. Il y a un gars... Elle est avec un gars. Donc on part du principe que... Bah, elle le dit, ses potes flirt. Donc il se passe quelque chose entre eux. Mais elle est attirée par le gars qui ne fait rien. Le gars qui est tranquille dans son coin. Il n'est pas là en train d'essayer de, 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 de faire le clown, en train de jongler avec des balles. Il n'essaye pas de, de, de l'attirer. Elle le dit elle-même, il sont, C'est quoi ils sont ballerins. Ils sont ballerins. Les gars, une des meilleures façons d'attirer une femme, c'est de l'ignorer, en fait. Mais quand je dis ignorer, c'est pas genre, ah, tu sais quoi, je vais essayer ta technique, je vais essayer d'ignorer Angelina Jolie. Ah, je vais essayer d'ignorer Jennifer Aniston. Non, ça va pas marcher, frérot, parce qu'elle sait pas t'es, elle sait pas que t'existes. Il faut d'abord que la personne sache que tu existes, et puis après, là, maintenant, tu peux commencer à mettre tes jutsu, tes techniques interdites en place. Mais voilà, c'est écrit. Là, il y, y a le gars qui lui répond Bah, t'as répondu à ta question, et elle le dit elle-même. Elle le dit elle-même, mais je ne vais pas aller loin si je suis toujours attiré par ceux qui s'en foutent. C'est comme ça, on revient à ce truc de, du, aussi du bad boy, donc euh, le, le, le gars qui s'en fout, le gars qui ignore. Quelle image, en fait, ça véhicule à la fille Ça montre une image de quelqu'un qui. Euh, qui se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de, de, de me prouver quoi que ce soit. Il s'en fout de moi, en fait. Donc, ça montre qu'il a plus de valeur. Il a plus de valeur parce que moi, je suis là, je suis une fille. Les gars, la plupart du temps, euh, vont me montrer qu'ils qu sont attirés par moi, etc., que je suis attirante. Mais lui, non. Lui, c'est tout le contraire. Donc, ça veut dire qu'il s'en sort très bien sans moi. Ça veut dire qu'il a assez de valeur pour pouvoir attirer des femmes s'il le veut. Je, 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 ouais, a, je sais même pas quoi dire parce que c'est tellement... C est, c est, ça, c'est une des... Alors, attention, c'est une des meilleures techniques, une des techniques qui marche le mieux, mais moi, je préconise aux gars de faire ça de façon naturelle. Genre, il ne faut, faut pas que tu le fasses de façon consciente, genre, ok, tu sais quoi, elle, je vais commencer à l'ignorer comme ça elle va venir vers moi. La plupart du temps, si tu ignores quelqu'un, c'est parce que tu fais autre chose de ta vie, c'est parce que tu as d'autres choses à faire, c'est parce que la personne, tu ne mets pas la personne sur, sur un piédestal. Et c'est comme ça que moi, je veux que les, les gars réfléchissent, en fait. Pas en mode genre, ok, ouais, tu sais quoi, je vais utiliser cette technique pour l'attirer vers moi. Non, je veux vraiment que vous soyez occupés, que vous soyez en train de, 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 de gérer vos business, que vous soyez en train d'essayer d'avancer dans votre vie. Là, à ce moment-là, vous allez voir, la personne va venir d'elle-même, là où les personnes. Mais. Ça nous ramène à ce truc de ne pas mettre une femme sur un piédestal, quiconque sur un piédestal, mais là, en l'occurrence, une femme sur un piédestal. Aussi, voilà, de, 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 de rester chill, reste chill, tranquille dans ton coin, et c'est pas d'en faire des tonnes. Je connais tellement de gars, putain. ça, ça m'est tellement arrivé, genre. Je pense que ceux qui vont regarder la vidéo, peut-être vous, vous, <laughs> vous allez voir ce que je veux dire. <coughs> Pardon. Genre, en tête, tu, tu gères une meuf, tu veux gérer une fille, tu la ramènes. Euh, là où dans un endroit où il y a aussi tes potes et tout d'un coup ils changent de comportement ils deviennent comme des singes ils sautent dans tous les sens euh, ils vont commencer à faire des, des tout plein de trucs juste pour pouvoir en fait euh, comment dire se faire bien voir aux yeux de la fille vous voyez très bien de quoi je suis en train de parler t'as des gars ils vont commencer à par... ils vont commencer à sortir des trucs bizarres genre ah ouais mais attends euh... « Giorno, toi, tu viens avec euh, cette meuf-là, mais la semaine passée, c'était pas déjà avec euh, une autre meuf, là C'était déjà quoi, le nom de ton autre meuf ?» Ça, bon, ça, je, je faudrait que je fasse une vidéo sur ça pour parler des, euh, des, des, des gens qui, qui sabotent. Mais, au lieu d'être là à faire les clowns, reste tranquille dans ton coin, comme ce gars-là, qui a l'air de s'en battre les reins, et ça marche. Et ce qui est encore plus dingue, c'est qu'elle le sait elle-même. Elle le dit, mais je vais pas aller... Loin si je suis toujours attiré par ceux qui s'en foutent. Donc, ça veut dire que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Donc, en, en gros, c'est comme si le gars que son pote flirte là, c'est un peu la personne avec qui elle s'est mise. Bon, par défaut, il est gentil, il est sympa, bon, voilà, ben il s'intéresse à moi, etc. Jusqu'au moment où elle tombe sur la personne qui l'intéresse vraiment. La personne qui lui fait vraiment de l'effet. Donc, imaginez les filles qui sont en couple ou même mariées. Avec des, des gars que, qui n'étaient pas forcément leur premier choix. Et maintenant, elles se, elles, tout d'un coup, elle tombe sur des gars qui sont justement ce qu'elles veulent de base ou ce qu'elles voulaient de base. Et là, qu'est-ce qui se passe? On connaît souvent le résultat. Je dis souvent parce que je, à ce niveau-là, je ne vais pas généraliser, ce n'est pas quelque chose qui arrive tout le temps non plus. Mais ça va créer des relations, soit des relations ouvertes, euh, enfin des relations libres, soit de, de la tromperie. Ce genre de choses, parce que ah, je me suis mis avec lui, mais je me rends compte qu'en fait, finalement, mon vrai modèle vient juste d'arriver. Mais sauf que c'est trop tard, en fait. Tu vois Les gars, le truc, il est là. Hein. Ceux qui veulent l'utiliser de façon euh, consciente, faites ce que vous voulez. Ce n'est pas ce que je recommande, moi. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment de le faire, genre, de façon naturelle. C'est-à-dire, tu forces pas, en fait. Tu forces pas, tu vis ta vie, tu es tranquille. Voilà, le, le, euh, Ton pote vient avec euh, sa, 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 sa copine, sa meuf ou euh, un plan qu'il... une meuf qu'il essaie de gérer un plan, etc. Toi, t'es tranquille dans ton coin. T'es tranquille dans ton coin. Moi, c'est un, un truc que j'ai de façon naturelle. Quand un gars que je connais, un ami à moi, vient avec une fille qu'il veut gérer ou qu'il intéresse, il suffit juste qu'il le dise, c'est terminé, elle disparaît dans mes yeux, en fait. Elle disparaît de ma vue. Je la, je la vois comme un garçon. Parce que je ne vais pas moi non plus euh, aller là-bas pour essayer de me faire voir. Ouais, attends, je flexe mes muscles pour qu'elle voie que ouais, moi aussi, finalement, c'est du gros n'importe quoi. Meilleure technique, les gars. Franchement, meilleure technique, je vais vous laisser sur ça. Le screen, il est là. Hein. Amusez-vous. Passez un très bon week-end. Prenez soin de vous, surtout, restez sur vos gardes.